Bien, bonjour à tous, c'est Willy Jameur et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode de Space Engineer, où vous voyez que j'ai ma petite voiture. Pietro, je vais te flinguer. L'enfoiré, il attend que je commence mon épisode uniquement pour me gonfler. Ah, excusez-moi, je suis obligé de mute pour le coup. Voilà. Ah. Bon, du coup, vous avez le bonjour de Pietro. Et donc, bienvenue, très chers amis, disais-je, dans un nouvel épisode de Space Engineer. Vous voyez que je me suis construit une petite voiture. Alors, construit n'est pas réellement vrai, en fait. J'étais obligé de me la faire spawn. Pourquoi? Parce que 3 roues sur 4 vous laissent construire. Celle-ci ne voulait pas, pour une raison qui m'est obscure. Et donc, bon, c'est pas grave, hein. J'ai supprimé la voiture que j'avais construite et je me la suis fait spawn. En soi, je me suis rien kiff du tout, hein, rassurez-vous. C'est juste que, pour le coup, cette petite voiture-là était sympa. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me faire spawn une voiture? Pour la bonne et simple raison qu'il y a une énorme mage de Space NG améliorant beaucoup de choses dans le jeu. Bon, il y a d'autres trucs qui sont un peu moins génial, mais ça a quand même 2 heures d'attente en sneaky pour ça. Salaud. Hop, et donc, pour le coup, il y a une énorme mage de Space NG qui a amélioré beaucoup de trucs, notamment l'adhérence des véhicules. L'adhérence des véhicules sur la Terre... Vous voyez que ça a été beaucoup amélioré. Et ça, c'est un truc vraiment sympa pour le coup. Parce qu'aussi bien avant, les roues patinaient. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc moi, pour ma part, je trouve ça sympa. Oula. Oula, oula, oula. J'arrive sur un terrain accidenté, là. Il faut savoir que je suis pas très bon au niveau de la conduite dans Space NG. Hein. Voilà, on pourra vous le dire sur le live. Parce qu'actuellement, je suis en live. C'est pas génial, génial, hein, quoi qu'on en dise. Alors, faites très gaffe. Je tiens à vous le dire. Dorénavant, il y a un bouton. Si jamais vous avez le malheur d'appuyer sur la touche de votre jetpack alors que vous êtes dans la voiture, vous allez faire un bond. Eh oui, et quand vous allez atterrir, ça va vous niquer tout le dessous de votre voiture si jamais vos roues sont pas assez grosses. Donc faites très attention à ça. Je me suis fait baiser plus d'une fois. Donc il va falloir faire très gaffe à ça. Donc cette voiture-là est sympa parce que comme vous voyez, il y a une espèce de boussole. Regardez. Hop, en fonction de là où je me déplace, le script se déplace. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien, ça permet de se... Bah, ça permet de se repérer un petit peu dans le jeu, ce qui est plutôt sympa en soi. Donc voilà. Donc beaucoup de trucs ont été ajoutés, beaucoup de trucs ont été défaits. Je vous laisse voir la liste de tout ce qui a été fait, ou mal fait, ou bien fait. Sachant que moi, dans Space NG actuellement, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que j'ai une énorme fuite de RAM. À savoir que la RAM au début est constante, et au fur et à mesure, ça augmente. Un petit peu, jusqu'à ce que ça bouffe la totalité de la RAM. Alors je sais pas si c'est que pour moi, mais en tout cas c'est extrêmement casse-couille, sachez-le. Alors donc pour les commentaires, un commentaire qui me dit « Salut Willy, ça fait un moment que je suis tes vidéos, j'ai acheté le jeu, je suis loin de tout maîtriser, j'aime les mods que tu as mis, je les ai donc installés. Cependant, les mods qui rajoutent les pirates sur la planète ne fonctionnent pas. » Alors je sais pas pourquoi, parce que moi là ça fonctionne, mais peut-être que le mod a été mis à jour entre temps, j'en sais que dalle. Mais il faut savoir que suite à la grosse mage de Space NG, il est possible que plusieurs mods ne fonctionnent pas. Donc, il faut juste attendre que les modeurs adaptent le mod à la version du jeu, tout simplement. Alors un autre commentaire qui me dit salut Willy, pour le fait que tu ne peux pas poser de bloc alors que rien ne t'en empêche, regarde bien. Même par le clic droit, tu génères de la pierre au sol. Et oui, c'est ça. En fait, la petite caillasse est emmerdante. Et c'est ça, en fait, qui m'empêchait de poser des blocs quand je construisais mon bunker. Donc pour ça, vous inquiétez pas. Bon, je vais voir pour ton chasseur, mais pour ça, je dois construire un hangar souterrain avec 600 mètres de tunnel pour sortir. Ah, ça, après, tu fais ce que tu veux. Alors donc, on va essayer d'avancer un petit peu, quand même. Et donc, je vais scroller un petit peu les commentaires vers le bas. Afin de voir un petit peu les autres commentaires. Willy, tes vidéos sont super. Le truc qui manque, c'est que tu fasses des combats. Alors, je peux pas faire des combats tout le temps, les gars. Hein, sachez-le. Je peux pas tout le temps faire des combats. Non. Il y a forcément des moments où je ferai moins de trucs que d'autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureusement, il y a des fois, on n'y peut rien. Donc voilà. Alors, le truc sympa. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, je me suis retourné avec la souris. Hop, le truc sympa, et qui donne un petit côté réaliste également au jeu, c'est que vous voyez que sur la Terre, le véhicule tourne très bien. Vous voyez? Par contre, quand on vient à être sur l'Atlas,
le véhicule tourne beaucoup moins bien. Et c'est un peu normal, étant donné qu'on est sur de la glace, ça glisse. Ah! Ah, quel con! Oh la vache. Excusez-moi, le Willy fait de la merde. Le Willy se retourne, tout va bien. Hein, tout va bien. Je crois que je l'ai un peu. Je crois que ma caisse, je l'ai un petit peu abîmée. Je suis pas certain, mais. À mon avis, ouais, un petit peu quand même. Alors, la petite info que je vous donne, c'est que sur Terre, utilisez les roues pour tourner comme ça. Mais sur la glace, je vous conseillerais plus d'utiliser la souris pour tourner plus rapidement. Enfin, moi, c'est le conseil que je vous donne. Après. C'est vous qui voyez. Alors là, ils sont tous en train de se foutre de ma gueule sur le chat. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois la voiture et à chaque fois, ça a très mal terminé. Mais bon, j'apprendrai. J'apprendrai, rassurez-vous. Willy se croit sur GTA 5. Mais non, mais pas du tout, foutez-moi la paix. J'étais presque sûr qu'il allait se payer l'arbre. Eh ben non, tu vois, c'est dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller à la base. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait beaucoup de trucs à la base. Notamment... J'ai démonté ma navette. Vous vous rappelez la navette qui avait été hackée? Je l'ai totalement démontée, je vais la remonter, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que là pour le moment j'ai aucun besoin d'aller dans l'espace. Mais par la suite ça viendra. Alors là par contre vous voyez que les particules ça fait laguer le jeu. Ça malheureusement c'est moche, mais on n'y peut rien. Voilà, une fois qu'on arrive sur Terre tout de suite ça lague beaucoup moins. Enfin c'est censé laguer beaucoup moins. Hop, donc on va aller se garer sur mon petit parking pour le coup. Ah oui, alors, ça c'est chiant. Il y a le frein à main qui s'active pour une raison totalement inconnue. C'est extrêmement chiant. Hop, donc j'avais bel et bien endommagé ma voiture. Hein. Les naïdes sont venus me les réparer, normal. Hop. Voilà. Là, on est bon. Alors, donc comme vous voyez, j'ai démonté ma navette et j'y ai mis mes trois vaisseaux dessus. Comme ça, au moins, pas d'emmerde, on est bon. Alors, donc, pour ce qui est de là, donc vous voyez que j'ai mis le petit machin pour fabriquer les trucs du mode Stargate, parce que c'est indispensable ce truc. Donc j'ai pas eu le choix de le mettre là. Cela dit, bon, rassurez-vous, ça va pas rester là. Au fur et à mesure, tout ça va virer en dessous. Parce que en dessous, j'ai fait beaucoup de choses. Hop, alors attendez, je lag, je sais pas pourquoi. Petite vérification de mes stats, à tout de suite. Voilà, et bien donc chers amis, et donc voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu ragé en off, c'est normal. Donc, alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait après, après le dernier épisode. Alors il faut savoir que, bon, ça c'est fait, hein, tout va bien. Et donc j'ai un tout petit peu avancé. Pour ce qui est de la construction de la base, un tout petit peu, hein, rien d'exceptionnel, rassurez-vous. Alors, donc déjà, ici, voilà, vous voyez que donc là, j'ai un endroit pour sortir. J'ai un endroit pour sortir où j'ai construit la totalité des raffineries qui me seront nécessaires. Hop, on va allumer un peu la lumière, voilà. La totalité des raffineries qui me seront nécessaires pour raffiner la totalité des minerais. A savoir que j'ai fait une raffinerie par minerai. Donc voilà. Alors, il faut savoir que j'ai tout relié. Depuis l'extérieur, donc depuis la maison en fait, j'ai absolument tout relié ici. Voilà. Donc ça déjà, ça m'a pris un temps monstrueux, hein, plus de 10 heures à faire. Donc voilà, sachez-le, ça a été un vrai merdier. Donc comment ça se présente? Tous les minerais arrivent, donc soit dans ce coffre-là, soit dans ce coffre-là, ça dépend, si je mets l'un et plein, l'autre prend le relais, enfin bref, j'en ai mis deux exprès. Hop, ensuite ça va dans les raffineries qui sont spécialisées pour chaque truc. Eh oui, c'est... De même que pour les fours à arc, hein, fer, nickel, cobalt. Hop, et donc, tout sort par en dessous. Hop, voilà. Tout sort par en dessous pour aller dans le coffre du milieu. Aïe. Et donc, le coffre du milieu, c'est... Bah, c'est là où il y aura absolument tous les lingots. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire un petit peu dans cet épisode, c'est qu'on va faire une plateforme pour y construire les assembleurs et en fait, ce coffre-là sera relié à la totalité des assembleurs et donc les assembleurs pomperont ce qu'ils ont besoin dedans, tout simplement. Alors alors oui, vous voyez que les blocs ont été refaits aussi dû à la mage de Space NG. Vous voyez que tout est un peu chromé maintenant. Bon, c'est pas pour me déplaire, je trouve ça classe, mais par contre le système de... Enfin je sais pas, la lumière maintenant c'est un peu trop éclairé pour moi, je trouve ça un peu dégueu. Enfin bon, après c'est mon point de vue, hein. Vous n'êtes pas obligé de voir comme moi. Alors ensuite, comme vous le voyez, hop, on va fermer ça.
Comme vous le voyez ici, il y a la salle de contrôle. La salle de contrôle, il faut savoir que là déjà, hop, voilà. Si jamais ma lumière n'est pas enclenchée, vous voyez que là tout est bien éclairé. Si jamais ma lumière n'est pas enclenchée, on ne voit rien, sauf les écrans. Ce bouton-là active la lumière, donc vous voyez qu'on voit tout, hein. Et donc ce bouton-là, ça active en fait le projecteur qui est là pour éclairer tout ce qu'il y a là-bas. C'est quoi qu'on en dise, c'est plutôt pratique, vraiment. Mais bon, là pour le moment, on s'en fout. Donc, alors, la plupart des écrans là, c'est pour faire joli, hein, rassurez-vous. Mais je m'en servirai quand même de certains, notamment pour tout ce qui est raffinerie, choses comme ça. Parce que là, vous voyez que là, il y a quatre boutons en fait. Hop, donc là, il y a un écran, mais bon, ça, c'est pour accéder au terminal. Hop, alors, ces trucs-là ne servent juste qu'à être assis. Il n'y a pas de bouton sur ces trucs-là. Mais sur ces trucs-là, il y en a, normalement. Tac, tac, tac. Non, là, il n'y en a pas. Bon, bah sur cela, il n'y en a pas non plus. Donc bon, c'est uniquement pour faire joli la plupart des trucs, hein. Il y a quand même quelques trucs qui sont intéressants. Vous voyez, genre là, il y a les boutons. Et donc le petit écran juste en haut, ça c'est pour accéder au terminal. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, j'aime bien tout ça. J'ai mis un petit peu des écrans aussi au plafond, que vous voyez. Et donc tout est dans une sphère en verre. Tout à fait. Je tenais à ça pour la bonne et simple raison que ça fait vraiment classe, quoi qu'on en dise. Même si jamais ça fait pas ultra RP, je vous l'accorde. Parce que, si jamais on regarde, hop, la totalité de la sphère est un peu dans le vide. Ça, je suis ok. Ça, je suis totalement d'accord. Mais rassurez-vous, j'essaierai peut-être de faire des piliers de façon à ce que ce soit un petit peu plus logique. Parce que ça, c'est vrai, clairement, c'est pas du tout logique. Mais en soi, c'est quand même, ce mode-là est quand même vachement bien fait. Donc, c'est le mode Colt. Ça qui me permet d'avoir des consoles comme ça, que je trouve vraiment super classe. Alors, et donc, oh, pardon. La petite surprise pour la fin, on va virer ça pour le coup. Voilà. La petite surprise pour la fin, il s'avère que dans ce live, parce que ça, tout ça là, ça a été fait dans le précédent live, donc dans le live de la semaine dernière. Et dans le live d'hier, il faut savoir que je me suis amusé à construire ceci. Hop. Ma salle de la porte. Tout à fait. Alors ça a été un merdier, hein. Ça a été un merdier considérable parce que déjà, bon, j'ai fait le blueprint parce que cette salle-là, c'est entièrement moi qui l'ai faite, de A à Z. Je l'ai fait en créa et donc je l'ai fait spawn sur le monde et les nanites me l'ont construit. Parce que c'est une construction. Et donc, tout simplement, le fait est que cette salle-là, c'est la salle de la porte. Je l'ai fait assez grande de façon à ce que je puisse essayer, si possible, de ramener un vaisseau. Mais je sais pas si jamais le mode est buggé ou pas, à savoir que si jamais je traverse, est-ce que ça me faire totalement traverser la porte, ou est-ce que la moitié du vaisseau va se retrouver dans les blocs qui sont derrière. J'en sais absolument rien. Ça, on verra. On verra, mais pour le moment, j'en sais que dalle. Donc, si jamais je désactive ma lumière. Ah non, ma lumière, elle est déjà désactivée. Donc, vous voyez que tout est bien éclairé. Tout est bien. Hop, donc ici, attention en construction de ne pas y aller. C'est en fait parce que normalement, dans le SGC, si vous voulez, là, il y a d'autres couloirs qui mènent à d'autres couloirs, etc., etc. Et moi, étant donné que ça, pour le coup, je ne l'ai pas fait, ben voilà. C'est juste comme ça, histoire de dire. Alors, petite nouveauté aussi avec la grosse mage de Space NJ, les portes s'ouvrent beaucoup plus vite. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Et donc voilà. La salle de la porte. Alors la nuance de gris est différente sur les murs que sur le sol. Je trouve ça un peu plus classe pour ma part. Des tourelles, évidemment, au cas où il y a des intrus qui viennent. Il n'y aura personne qui viendra, je suis sur un parti solo, mais bon, quand même. Des fois que, sait-on jamais. Donc sinon, voilà, en soi, tout est bien, tout est beau. La porte est là, la porte est normalement fonctionnelle. Hop, et donc on va essayer aujourd'hui, chers amis, de faire le système des assembleurs. Alors, je ferai pas tout en vidéo. Non, je vais commencer en vidéo et je le finirai en live, évidemment. Hop, donc voilà. Toi, tu te fermes. Merci. Et toi, tu te fermes. Alors, petit bug, voilà. Comme vous voyez, petit bug. Vous voyez que là, l'oxygène est au maximal. Comme vous le voyez en bas, un petit peu sur la droite. Voilà. Si jamais je ferme cette porte, vous voyez que l'oxygène est toujours au max, hein, mais que je la réouvre. Ça va faire comme un truc de dépressurisation, alors qu'il n'y a pas du tout de dépressurisation. C'est totalement absurde. Mais malgré tout, ça se fait. Pour une raison qui m'est obscure, c'est pas dramatique. Alors, donc, on va aller chercher donc des plaques d'acier. Et donc, on va commencer à faire le système. J'en ai lancé à construire dans les assembleurs, donc tout devrait bien se passer. Hop.
Alors il faut savoir que la vitesse de déplacement de la marche aussi est plus rapide. Avant on était à 4 mètres par seconde, si je ne me plante pas. Là on est à 6 pour le coup quand on marche. Par contre quand on court, on passe à 10 mètres par seconde. Alors qu'avant c'était à 7 il me semble. Donc ça c'est appréciable, ça j'aime bien. Hop, alors, donc des plaques d'acier. 21. Ouais, trop cool. Je suis sûr que j'en ai plus. Tiens, qu'est-ce que je disais? Hop, on va s'en prendre une centaine. Voilà, les nanites viendront tout construire. Hein. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais construire tout ça. Les nanites sont là pour ça. Donc voilà, on va faire ça. Ah, il faut savoir que tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai entendu une explosion. Je sais pas d'où ça venait, de quoi que ce soit, mais j'ai entendu une explosion. Je dois vous avouer que j'étais pas très rassuré. Je sais toujours pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Mais bon, a priori, ça a pété. Donc bah écoute, ça pète. Hein. Moi, du moment que ça me détruit rien. Je vais pas m'en plaindre. Hop, alors, voyons voir pour les assembleurs ce qu'on va faire. Alors, ça va être un truc tout simple, hein, je vais pas m'emmerder. D'ailleurs, je pense que je vais faire tourner un script pour que les assembleurs construisent une certaine quantité de composants. Parce que si jamais je les mets à construire sans arrêt, ça va un peu être la merde. Juste, on va activer le projo. Hop. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair. Alors, bon, j'active ma lumière parce que, voilà, quoi, il faut bien quand même. What? Ah oui, d'accord. Ok, bon. Alors, il faut savoir aussi, alors ça c'est un problème très important, j'ai un problème a priori de RAM suite à la match de Space NG, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais ça, par contre, c'est casse-couille. Tu peux pas mettre 24 assembleurs avec le script. Si, si, bien sûr. Si, bien sûr, ce sera fait. Ça, pour ça, faut pas t'en faire. C'est monnaie courante avec toi, Willy, les explosions. Ouais, surtout en voiture. Ouais, ça va. Hein. Commencez pas à me faire chier. Depuis tout à l'heure, ils se foutent de ma gueule sur le chat parce que je me suis ramassé 3 fois en voiture sur 3 balades. D'accord, je vous l'accorde. Je suis pas très doué, mais c'est pas une raison pour se foutre de moi. Donc, hop, on va essayer de faire ça bien. Alors, déjà, là, je peux construire, c'est un problème. Il faut que je puisse construire. Ok, donc là, c'est faisable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur de ce coffre-là. Hop. On pourra toujours changer les couleurs par la suite. Hein. Je vais essayer quand même de faire un truc à peu près classe. Alors pourquoi est-ce que je fais ça là, en premier lieu? Pourquoi? Parce que si jamais je viens juste à mettre un bloc ici, et donc que ce bloc-là, après je le grind pour y mettre un convoyeur, parce que j'ai pas pensé à prendre des plaquages d'intérieur, je suis trop con. Et bah il s'avère que si jamais ce bloc-là je le grind et que je ne le relie à absolument rien d'autre, tout va se ramasser la gueule. Donc il faut vraiment que je fasse ça proprement. Et surtout que j'y pense. Parce que sinon ça va être vraiment vraiment la merde. Hop. Voilà. Donc ça c'est cool. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que là il y a tout le système, on va plus faire ça par là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc pour les assembleurs, sachant que je compte les optimiser, d'ailleurs tout comme les raffineries, hein, je vous l'ai pas dit, mais elles sont toutes totalement optimisées pour l'efficacité, sachez-le. Parce que j'aime bien quand c'est efficace, quoi qu'on en dise. Hop, donc par contre, pour les assembleurs, il va falloir que je prévoie. Non, regardez-moi cette armée de nanites. Ah, non, elles viennent pas toutes. Donc, pour les assembleurs, il va falloir que je prévoie 2 espaces pour les placer. Pourquoi? Parce que, admettons, un assembleur est là. Là, il y a l'upgrade pour cet assembleur-là. Mais là, il y aura l'upgrade pour cet assembleur-là. Donc, il faut que j'essaye de voir ça. Ce que je vais faire, non, je vais quand même aller chercher les plaquages d'intérieur, parce qu'il va m'en falloir, mine de rien. Alors, la vitesse aussi de déplacement en jetpack a été augmentée. Sachez-le, la vitesse de max est toujours à 100%, mais enfin je veux dire, tu atteins la vitesse max plus rapidement, c'est ça que je veux dire. Avec là, je suis beaucoup plus rapide en jetpack, et ça, j'avoue que ça, c'est quand même sympa, quoi qu'on en dise. Alors mon perso se met un petit peu à geindre pour tout et n'importe quoi, mais bon, ça c'est pas dramatique en soi. Tac, tac, tac. Alors. Prenons des plaquages d'intérieur. Je dois en avoir un petit peu. Voilà, on va s'en prendre une centaine. On va se reprendre un petit peu des. Hop, on va s'en prendre. Ben, je sais pas, tiens.
Voilà, histoire d'avoir de quoi faire. Alors. Hop, on éteint la lumière pour le coup. Ça sert à rien parce que là tout est totalement éclairé. D'ailleurs, le bug de lumière, ils l'ont réglé. Ça c'est plutôt sympa, ça. Ça, j'avoue que c'était relativement casse-couille, mais ils l'ont réglé, donc c'est plutôt sympa. Hop. La vache. J'étais rapide ce coup-là. Ok, alors. On va donc faire ça comme suit. On va agrandir encore un peu la plateforme parce qu'il va falloir. Est-ce qu'il faut savoir que pour chaque composant, j'ai l'intention de mettre un assembleur. À savoir normalement 24 assembleurs. Sachant qu'il va falloir que je les paramètre avec le script et tout, ça va être un peu galère. Je pense que ça, je le ferai en live. Et je vous montrerai ça dans l'épisode prochain. Alors, donc les assembleurs. Déjà, vérifiez qu'il y en a bien 24. Parce que je vous rappelle qu'il y a des nouveaux trucs à craft. Duo mode. Donc, on va voir. Alors, donc là, il y en a 5. Donc là, il y en a 9 parce que ce truc-là, pour le moment, il n'y a pas de fonction. Donc ça sert absolument à rien de le construire. Ce truc-là, par contre, se fait a priori avec cet assembleur-là. Donc il va falloir qu'un assembleur en plus. Donc là, ça fait 5, donc 10, 15, 20, 25, 26, 27. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais attends, qu'est-ce que je fais moi? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Non, il va en falloir 26 des assembleurs. Et pas 24 comme on me l'a dit tout à l'heure. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Non, sans déconner. Je fais vraiment n'importe quoi moi. Tac. Ok, ça c'est cool. Excusez-moi, juste je vérifie mon portable pour vérifier que j'ai bien foutu le timer en marche. Je l'ai bien mis en marche, on est bien d'accord. Alors. On va donc essayer de faire ça le plus simplement du monde, à savoir que j'aimerais quand même que ça soit droit. Parfait. Donc là, hop, 2, 3, ça va demander de la place, évidemment. D'ailleurs, il faut savoir que toute cette cavité-là, je l'ai creusée en faisant péter deux mines. Ah ouais, quand même, sans déconner. À l'origine, j'y allais en forant, et il y a quelqu'un sur le chat, il m'a dit, mais Willy, pourquoi tu n'utilises pas des mines? C'est vrai que c'était une excellente idée, ça. Ça m'a fait économiser un temps fou, vous avez pas idée. Mais là, pour la suite, il va falloir que je creuse par contre. Je vais pas avoir le choix. Ou peut-être. Allez, tiens, on va faire péter une mine. Allez, pour la forme, de toute façon. Juste, je vais sauvegarder avant. Quand même. Voilà. Tu sauvegardes ou pas? J'aime bien quand c'est noté. Voilà, merci. Hop. Alors il faut savoir que les mines ont un rayon d'action entre 15 et 20 blocs, il me semble. Donc on va essayer de faire ça safe. Déjà, on va se mettre au centre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, hop, 8. Voilà. Il faut quand même faire péter des trucs, sinon c'est pas drôle. Hop. Alors il y a aussi des nouveaux effets quand on mine, tout ça. Je trouve ça sympa pour ma part. Vous voyez aussi que le son se modifie par rapport où on est. Si jamais on est dans une caverne, même artificielle, le son est modifié. Et ça, je trouve ça sympa aussi. Hop, alors. Par contre, j'étais pas forcément droit quand j'ai creusé. À croire que je suis bourré, ma parole. Oula. Voilà. Tac 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 tac. Alors vous voyez qu'il y a les cailloux qui font des bonds, qui font des ronds, qui font des tournicotages. Hop, donc là, alors là vous voyez, ça illustre très bien. Je ne peux rien poser parce qu'il y a la caillasse. Cela dit, quand la caillasse disparaît, je peux poser. Regardez, je bouge pas exprès pour vous le montrer. Hop, voilà. Vous voyez que là je peux poser. Alors juste voir à combien j'en suis. Fais péter ta mine au milieu des raffineries. T'es pas malade, non? Manquerait plus que ça, tiens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, j'en suis à 15 ici. On va s'éloigner encore un peu, hein. De toute façon, on fera une sauvegarde avant, au cas où. Voilà. Hop, 15. Donc, faire péter ça à 17 ou 18, histoire d'avoir de la marge. Voilà. Hop. Non, on va attendre, évidemment,
que tous les cailloux se barrent. Avec les cailloux, on font un peu n'importe quoi. Mais on s'en fout, hein, ils despawnent assez rapidement. Donc ça va, c'est pas dramatique non plus. Hop, 16 à 17. D'ailleurs, je tiens à remercier le chat parce que c'est eux qui m'ont dit que la bombe avait. Enfin, que les mines ont environ 15 blocs de champ d'action. D'ailleurs, ils l'ont regretté. Ils l'ont regretté. Je me souviens que dans le live précédent, ils m'ont dit, on n'aurait pas dû le dire à Willy. Comme ça, il aurait tout fait péter, ce con. Mais bon, ils me l'ont dit, donc j'en suis heureux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre un autre. J'aimerais juste, si possible, éviter de. Ou de recreuser, mais a priori, éviter de recreuser, c'est pas faisable, voilà. Hop. Et donc ensuite, on va faire que les nains construisent la mine. Et ensuite, on va tout faire péter. Hop. Ce qui serait bien, c'est qu'une fois de temps en temps, les devs arrêtent d'améliorer le jeu et qu'à la place, ils l'optimisent. Ouais, ça, je dois vous avouer que je suis totalement d'accord là-dessus. Parce que améliorer le jeu en lui achetant des nouveautés, c'est bien. Mais avoir un jeu optimisé pour que les nouveautés soient acceptées, c'est mieux. Quoi qu'on en dise. Alors, donc, une ogive. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour la construire. Hop. Voilà. Rien à foutre qu'elle soit à l'envers. Ça, c'est pas dramatique. Voilà. Les naïfs vont venir tout récup. Enfin, vont venir la construire. Et donc, ensuite, on va la faire péter. Bien entendu, on aura sauvegardé avant. Il vaut mieux. Alors, donc, on va continuer à placer nous, nos assembleurs en attendant. Tac, 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 tac. Non, pas comme ça. Merci. Tac, tac, tac. Merde. Ah mais non, ça va pas là. Voilà. Excusez-moi, faut que je les espace de deux. J'avais zappé ce détail. Hop. Tac. Tac. Ok. C'est bon, les nettes me l'ont construite? Pas entièrement. Si? Si, c'est bon. Ok, allez, on vire tous les blocs. Je vais assez vite à déconstruire. Et vous voyez qu'il y a des appels d'air. Et on se demande pourquoi. C'est clairement pas logique. Bah bon, écoutez, c'est le joie de la vie, que voulez-vous? Hop. Voilà, la mine reste où elle est. Moi, pour le coup, je sauvegarde. Et attention, j'insiste là-dessus. Hop, on sauvegarde. Voilà. Et donc on va faire péter la bombe. Hop, alors elle n'est pas totalement en droite, mais bon, ça ira quand même. Compte à rebours, on va mettre 15 secondes, histoire d'avoir du temps. Allez. Allez. Hop, on se barre. Attention les yeux! Est-ce que je vais tout faire péter? Est-ce que la puissance des ogives va peut-être être augmentée? Ça, je sais pas. Ah non, par contre, il y a des nouveaux effets de lumière. Ça, c'est plutôt sympa. Ah! La merde, j'y vois plus rien. Ok, bon, ça a fait un beau trou. Ça. Ça a fait plutôt un beau trou, c'est plutôt sympa. Ok, bon, alors, continuons à améliorer tout le merdier. Il me fallait ça, j'avais pas le choix. Hop, alors. Hop. Peut-être éteindre la lumière là, non? Ah non, vous y voyez que deux. Hop, tout comme moi d'ailleurs, hein. Rassurez-vous. Si jamais en général vous y voyez rien, c'est que j'y vois rien non plus. Hop. Ah, ça suffira pas pour mettre tous les assembleurs, je sais. Rassurez-vous, c'est prévu. Alors, juste j'espère que je me suis pas planté sur la dimension. 1, 2, tac. 1, 2, non, ça va, c'est bon. C'est totalement ce que je voulais faire. Alors, donc, on va mettre ça ici. On va mettre ça là. Ah merde, quel con, je les ai foutus à l'envers. Espèce d'idiot que je suis. Hop, excusez-moi, on reprend. Les blocs se remettent à chaque fois comme je veux pas et ça m'emmerde. Voilà, comme ça ils sont bien. Hop. En fait, non, les premiers étaient bien, mais c'est juste que c'est moi après qui fais de la merde. Hop.
Tac. Tac. Ok, ça c'est good. Alors maintenant, hop, on va les mettre droit en face là-bas. Tac. Donc tac. 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 Et tac. Voilà. Déjà là, j'ai une bonne forme d'assembleur, je dois dire. Fail 6, fully 0. Ça va, commence pas, hein. Ou mieux, 27 000. 3 fois 3 fois 3. T'es pas malade, non? Beaucoup plus que ça, tu vois. Alors, donc là, si j'ai mon calcul, donc là j'en ai 3, donc 6, 9, 12, 15, ça sera pas assez. Ça sera pas assez. En plus, c'est bien parce que l'entrée est juste, est parfaitement en fait optimisée. C'est très bien ça. Ce que je pourrais faire, limite, c'est peut-être même agrandir un peu, mais pas genre là-bas, genre ici. Ça pourrait être sympa ça. Hop, ouais, je pense quand même qu'on va faire ça d'ailleurs. Voilà, il faut 3, donc faisons 3. Alors niveau ressources, ça va, j'ai pas à me plaindre, hein. Je vais dire si jamais il faut, j'irai les miner, c'est pas dramatique. Ça pour ça, je m'en fais pas du tout. Hop. Ok, allez, on va les placer les autres. Et vous voyez par contre, ça c'est chiant, ça fait une espèce de reflet lumineux. Et ça c'est casse-couille, ça c'est un des trucs que j'aime pas du tout, ça. Et le jour maintenant dans Space NJ est beaucoup trop, comment dire, lumineux. Et ça c'est un truc que j'aime pas non plus. Hop, comme ça, c'est bon. Ça fait une espèce de reflet dégueulasse, je sais pas, j'aime pas ça. Pour ma part, j'aime pas ça du tout. Hop. Après, bon, qu'ils améliorent le jeu, je veux bien, mais enfin, qu'ils améliorent les perfs d'abord. Regardez-moi ça, c'est quoi cette espèce de chute de FPS de merde là? Enfin bon. Ok, donc là, la totalité des assembleurs sont mis. Alors bientôt, tout l'espace sera utilisé. Ça, avec les modules, de toute façon, ça c'est sûr que tout va être utilisé. Alors, module de productivité, je crois que c'est l'efficacité pour les assembleurs, hein, il me semble. Hop. Il me semble, si je dis pas de conneries, on va voir ça. Panneau. Non, c'est productivité. Quoi, vous voyez, je me suis planté. Hop. La prod. Voilà. Magnifique. Alors, faisons donc ça comme suit. Là. Là, les nanites vont avoir du boulot, moi je vous le dis. C'est une ferme que je veux, hein. Je veux ne jamais avoir à revenir juste pour miner, c'est tout. Et que tout après se fasse totalement automatiquement. Alors ça va prendre du temps, je vous l'accorde, pour tout construire, tout ça, mais en soi, je serai bénéficiaire. Et de toute façon, il y aura un script qui tournera. Normalement, tout le monde. Il faut juste que je paramètre l'assembleur et tout, ça va être la merde intégrale, mais ce sera fait. Hop. Voilà. Alors. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Voilà. Parfait. Il faut pas croire, hein, c'est un vrai chantier. Hein. Là, déjà, la dernière fois pour les raffineries, j'en avais chié, quoi. Mais alors là, ça va être d'anthologie. Hop. Et voilà, et maintenant vous comprenez pourquoi je disais espacé de 3. Parce que je n'avais pas trop le choix en fait. Hop. Et donc là, ça va être la même de ce côté-là. Putain, j'ai du mal. Voilà. Hop. Voilà. Et donc en fait, il va y avoir absolument ça sur tous les assembleurs. D'ailleurs, il faut que j'en mette un ici. Là, parfait. Ok, donc ça c'est good. Maintenant. Voilà, comme je vous ai dit, il ne peut pas y avoir de l'action à tous les épisodes, non. Il y aura forcément des épisodes construction ou choses du genre. Hein. Eh ouais, évidemment. Je peux pas faire des combats tout le temps, c'est ça que je veux dire. C'est clairement pas faisable. Non.
Space NG n'est pas un jeu uniquement de combat, c'est aussi, c'est surtout un jeu de construction. Donc voilà quoi. Hop, alors je peux en mettre un là ou pas? Normalement oui. Hein. Ouais, nickel. Ouais, si, c'est comme ça. Ok, hop, toi, c'est la même. Oula. Voilà. Tac. Toi, c'est bon. Et donc toi, normalement, t'es bon. Si jamais je raconte pas de... De toute façon, on verra une fois que tout sera fini. Si jamais ça se passe bien ou pas. Hop. Là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai fait de la merde, là, n'est-ce pas? C'est pas du tout ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû le mettre là. Hop. Hop, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et donc là. Voilà. Voilà, donc déjà les trois quarts des assembleurs sont modulés, si je puis dire. Ils sont équipés de modules, hein. Hop, tiens d'ailleurs, ce côté-là n'a pas été fait. C'est dommage ça. Hop, voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, en off, évidemment, durant le live, comment dire, je vais moduler la totalité des assembleurs, pour ça vous inquiétez pas. Moi j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, franchement, comme je vous ai dit, hein, je peux pas tout le temps faire du... Je peux pas tout le temps faire de la construction, il faut... je peux pas tout le temps faire des combats, il faut aussi faire de la construction. Aussi et surtout la construction, et vous voyez que ça prend quand même un temps phénoménal de faire, quoi qu'on en dise. Donc bah écoutez, moi j'espère que cet épisode vous aurait plu, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien, et à la prochaine!